C'est vraiment cool de travailler chez soi, hein. Tu gagnes de l'argent sur Internet, t'es allongé sur ton canapé, t'es super. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ok, je me suis amusé avec l'introduction, mais dans cette vidéo, je vais te partager 7 idées de métiers à domicile que tu vas pouvoir utiliser si tu souhaites gagner de l'argent sur Internet. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment t'expliquer étape par étape, enfin les différents métiers que tu vas pouvoir utiliser. Juste avant de te partager la première idée, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci pour t'aider à gagner de l'argent sur Internet et à créer ton business en ligne. Et également, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, tes collègues, ta famille si eux aussi souhaitent être indépendants et souhaitent se lancer sur Internet pour gagner de l'argent donc sur Internet. Ok, alors le premier métier que tu vas pouvoir faire à domicile pour gagner de l'argent sur Internet, ça va être d'être community manager. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement si tu es à l'aise avec les réseaux sociaux, si tu aimes passer du temps sur les réseaux sociaux, eh bien tu vas pouvoir proposer tes services à différentes entreprises, à des entrepreneurs, etc. pour gérer leurs réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs indépendants qui vont justement te confier leurs réseaux sociaux pour déléguer cette tâche. Parce que voilà, ça prend du temps, tu vois, de gérer un groupe Facebook, un profil Facebook, un profil LinkedIn, etc., un compte Instagram également. Ça prend énormément de temps et du coup, les entreprises ou les entrepreneurs individuels souhaitent les déléguer, souhaitent déléguer cette tâche en payant quelqu'un pour faire cette tâche. Donc, si tu apprécies les réseaux sociaux, si tu es à l'aise, si tu maîtrises les réseaux sociaux, eh bien, tu vas pouvoir contacter des entreprises et proposer tes services de community manager. Sinon, tu as différentes plateformes, par exemple Upwork, qui te permet, eh bien, de proposer tes services ou de rechercher des personnes qui sont intéressées, qui recherchent justement un community manager et tu vas pouvoir donc proposer tes services en échange d'argent, bien évidemment, et tu vas gérer les réseaux sociaux et tu vas gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est vraiment cool d'être sur les réseaux sociaux et de gagner de l'argent en même temps. C'est possible si tu deviens community manager. Donc, depuis chez toi, tu vas pouvoir gérer les réseaux sociaux de tes clients et tu vas pouvoir, eh bien, facturer tes clients et gagner de l'argent donc à domicile depuis chez toi. Ça, c'est une super, super opportunité et c'est une super idée de business puisque bah, si tu veux vraiment gagner de l'argent sur Internet de façon à être chez toi, community manager, c'est parfait. Deuxième façon de gagner de l'argent à domicile, c'est de devenir blogueur. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le blogging, c'est mort, mais le blogging, c'est… Voilà, si tu tapes quelque chose sur Google, dans la majorité des cas, tu vas trouver ta réponse sur un blog. Et le blogging, ce n'est absolument pas mort. C'est vraiment une source de revenus qui peut être super intéressante si tu fais bien les choses, si tu crées un bon blog. Et surtout, tu vas pouvoir gagner de l'argent depuis chez toi en travaillant sur ta passion. Puisque si par exemple, tu es, je sais pas, si tu es passionné de voyage, tu vas pouvoir créer un blog de voyage et tu vas pouvoir gagner de l'argent donc en racontant tes voyages, en donnant les petites astuces sur telle ou telle destination, etc., etc. Et après, tu vas pouvoir monétiser ton blog avec l'affiliation. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, tu vas pouvoir rediriger tes visiteurs sur un site particulier. Si le visiteur achète sur ce site avec ton lien, eh bien, tu vas toucher une commission. Donc, l'affiliation, c'est tout simplement promouvoir un produit ou un service et toucher une commission s'il y a une vente. Donc, c'est vraiment très basique. Tu peux également mettre de la publicité, tu peux vendre tes produits, etc., etc. Donc, il y a différentes façons de gagner de l'argent avec un blog et c'est super rentable puisque bah, tu vas pouvoir simplement écrire des articles de blog et gagner de l'argent. Alors, c'est pas facile, ça prend du temps, mais une fois que c'est mis en place, eh bien, tu peux te générer vraiment des revenus très intéressants et tu peux gagner de l'argent sur Internet de façon très intéressante. Donc, si tu souhaites aller plus loin dans le blogging, je te mettrai une formation dans la description pour aller donc pour découvrir le blogging, pour te lancer également dans le blogging. Et voilà, c'est vraiment une formation ultra complète. Donc, voilà, si tu souhaites en savoir plus, tu as simplement à cliquer sur le lien dans la description. Mais voilà, le blogging, ce n'est pas mort. Il y a des personnes, il y a de nombreuses personnes qui vivent du blogging actuellement et ça va être également le cas dans les prochaines années. Donc, troisième idée de métier à domicile, troisième idée de travail à faire à domicile pour gagner de l'argent sur Internet, c'est de devenir designer. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement que tu vas designer différentes choses. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, des miniatures YouTube, ça peut être des couvertures Facebook, ça peut être des flyers, ça peut être plein de choses, tu vois. Si tu maîtrises des outils comme Photoshop, comme Canva, même Canva, tu vois, c'est un outil gratuit qui est très simple d'utilisation, eh bien, tu vas pouvoir proposer tes services à des entreprises, à des entrepreneurs, etc., etc. Je te donne l'exemple de la miniature YouTube puisque actuellement sur ma chaîne YouTube, je délègue ce travail. C'est-à-dire que c'est un freelance, c'est un designer qui fait mes miniatures.
En fait, il m'a contacté, il a abordé les choses correctement, tu vois. Il suffit pas d'envoyer un mail et de dire est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos miniatures. Voilà, ça va être très difficile. La personne, en fait, elle m'a contacté avec un sujet du mail assez accrocheur. Donc, j'ai ouvert le mail et après, il m'avait proposé 2 ou 3 miniatures. Donc, il avait repris ma photo, il avait repris le texte, etc. Donc, il avait pris 2 ou 3 de mes miniatures, il les avait stylisées, il les avait vraiment rendues super belles. Et l'avantage, c'est que quand je les ai vues, je me suis dit « Waouh, il fait du beau travail ». Et du coup, depuis, je continue de travailler avec lui et je le paye à la miniature. C'est-à-dire qu'il me fait une miniature, il gagne de l'argent. Donc, tu vois, une miniature, pour lui, c'est vraiment très simple à faire, c'est rapide. Pour moi, ça me permet de gagner du temps et ça me permet d'avoir des miniatures plus belles parce que je n'ai pas forcément les compétences pour designer une miniature. Donc, c'est ça qui est super intéressant avec le design, c'est que si tu as des compétences ou si tu souhaites développer ces compétences, tu vas pouvoir proposer tes services directement aux entreprises, également aux entrepreneurs indépendants. Et comme ça, tu pourras gagner de l'argent sur Internet depuis chez toi, depuis ton canapé. Et c'est ça qui est vraiment top. Quatrième façon de gagner de l'argent sur Internet depuis chez toi, eh bien, c'est de devenir consultant en publicité. C'est-à-dire que tu vas faire la pub d'entreprises, d'entrepreneurs, etc. Donc, il y a des entreprises, tu vois, qui veulent se développer sur Internet, mais qui ne savent pas forcément comment faire la pub, comment créer des publicités, comment gérer les publicités, etc. Donc, si tu as des connaissances, tu vas pouvoir proposer tes services pour gérer leurs pubs Facebook, YouTube, Google, Pinterest, Instagram, etc. Et comme ça, eh bien, tu vas simplement être payé pour faire de la publicité. L'entreprise va te payer pour faire cette publicité, pour la créer et la gérer, et elle va également payer la publicité. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est que tu vas justement vraiment, à partir du moment où tu maîtrises comment faire de la publicité, tu vas pouvoir proposer tes services et c'est ultra simple pour toi une fois que tu sais comment les optimiser, comment les créer, etc. Donc oui, ça prend du temps à maîtriser, mais une fois que c'est fait, tu vas pouvoir vraiment facturer tes services de façon super intéressante et gagner de l'argent sur Internet depuis une nouvelle fois ton canapé. Et c'est l'objectif donc de cette vidéo. Donc ça, c'était la quatrième façon. La cinquième façon de gagner de l'argent sur Internet depuis son canapé, depuis chez soi, c'est de devenir assistant virtuel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement de travailler pour quelqu'un et d'assurer toute son assistance. En fait, tu vois, tu prends par exemple un assistant qui est par exemple de répondre aux mails, de trouver des partenariats, de répondre aux propositions de partenariat, etc., etc. Eh bien, tu vas faire ça depuis chez toi pour quelqu'un d'autre. Donc, l'avantage, c'est que tu peux avoir par exemple 4-5 clients qui vont te payer, plusieurs centaines d'euros par mois pour gérer leur email, leur service client, leur proposition de partenariat, pour rechercher des partenariats, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et par exemple, il y a quelques jours, il y a une assistante d'une personne qui est très connue sur Internet qui m'a contacté pour proposer un partenariat. Et en fait, c'est super intéressant pour la personne, justement l'entrepreneur, puisque c'est pas lui qui a besoin d'envoyer les mails, de s'occuper de ça, etc. Et du coup, j'ai répondu positivement. Donc, je suis en attente justement pour voir si oui ou non ça va se faire. Mais c'est ça qui est très puissant avec l'assistant virtuel, c'est que depuis ton canapé, tu vas pouvoir envoyer des mails, tu vas pouvoir gérer le service client, gérer les partenariats, etc. pour quelqu'un d'autre qui va te payer tous les mois plusieurs centaines d'euros donc par mois, alors que tu es assis sur ton canapé, tu es chez toi. Donc ça, c'est vraiment top et c'est une solution pour gagner donc de l'argent sur Internet. Sixième façon de gagner de l'argent à domicile, c'est YouTube. Et YouTube, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, actuellement, je suis en train de faire une vidéo sur YouTube. Je suis sur mon canapé. À l'introduction, j'étais allongé sur mon canapé. Mais YouTube, c'est vraiment puissant puisque tu peux faire des vidéos depuis chez toi ou depuis n'importe où dans le monde. Ça peut être un Airbnb, un hôtel, ça peut être une plage aux Caraïbes. Voilà, peu importe. Tu peux faire des vidéos YouTube n'importe où dans le monde. Tu peux les publier n'importe où dans le monde. Et également, tu es à ton compte. C'est-à-dire que tu vas créer ta chaîne YouTube. C'est un petit peu comme le blogging. Tu vas travailler pour toi et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu vas publier des vidéos et tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers de vues pour vivre de ta chaîne YouTube. Quelques dizaines, quelques centaines de vues par vidéo et quelques centaines d'abonnés peuvent suffire justement pour vivre entièrement de ta chaîne YouTube. Donc, si tu souhaites aller plus loin sur YouTube, je te mets le lien d'une formation, je te mets le lien de ma formation sur YouTube. Si tu souhaites créer ta chaîne YouTube, la paramétrer, publier tes premières vidéos de façon optimisée, pas de façon débutante, vraiment de façon optimisée, également référencer tes vidéos dans le moteur de recherche YouTube et surtout comment gagner de l'argent sur YouTube, eh bien, tout est dans la description, tout est dans la formation
que je te mets dans la description. Mais YouTube, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et également, septième façon de gagner de l'argent sur Internet depuis chez toi, c'est de devenir coach. Alors, devenir coach, ça demande certaines compétences. Tu ne vas pas forcément pouvoir devenir coach du jour au lendemain, mais ça peut s'apprendre. C'est-à-dire que si actuellement, tu as une expertise, eh bien, tu vas pouvoir justement te lancer et tu vas pouvoir coacher des personnes. Et il te suffit de 3 ou 4 clients par mois pour pouvoir vivre de ton coaching. Donc, si par exemple, tu factures, je ne sais pas, 500 euros par mois pour un client, eh bien, tu as besoin de 4 clients pour générer 2000 euros par mois depuis ton canapé. Enfin, quand je dis depuis ton canapé, évidemment, ça demande du travail. Le coaching, c'est pas quelque chose de facile, ça prend beaucoup de temps, mais c'est quand même quelque chose d'ultra rentable puisque tu n'as pas de produit à créer, tu as vraiment l'expertise et surtout, tu as vraiment le suivi à créer plutôt. Mais c'est vraiment un métier à domicile à faire qui peut être super intéressant et que je recommande vraiment pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur Internet et qui ont une expertise. Va pas devenir coach si tu n'as absolument aucune expertise, ça n'a pas de sens, mais si tu as une expertise dans peu importe le domaine, tu peux trouver des clients sur Internet. Donc, le coaching, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable si tu as une expertise. Je me répète, mais voilà, il faut pas se lancer en tant que coach si tu n'as aucune expertise. Si tu te dis ouais, c'est cool d'être coach, voilà, ça risque de, sur le moyen long terme, ça risque de te nuire plutôt que d'être avantageux pour toi. Donc, c'était 7 métiers à domicile à faire en 2020 pour gagner de l'argent sur Internet, pour gagner de l'argent à domicile, donc depuis ton canapé ou autre. Et l'avantage avec ces métiers à domicile, c'est que tu vas également pouvoir les faire n'importe où dans le monde. Donc, c'est ça le gros avantage. Si tu souhaites créer ton business en ligne, si tu souhaites vivre de ton business en ligne, tu peux retrouver une formation gratuite dans la description. Dans cette formation, eh bien, je t'expliquerai comment vivre de ton business en ligne et je t'expliquerai également les erreurs que j'ai commises à mes débuts pour que tu puisses les éviter, pour que tu puisses gagner du temps et de l'argent donc dans ton business en ligne. C'est gratuit, c'est dans la description. Juste avant de quitter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. Partage cette vidéo également et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel métier tu vas utiliser, quels sont les métiers que tu vas pouvoir utiliser pour gagner de l'argent à domicile et quelles sont les idées de métiers que je t'ai données dans cette vidéo que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!